Cloches sonnent dans les tours de Notre-Dame. Le pêcheur s'empoisonne, le mitre en mitronne sous les tours de Notre-Dame. Le bourdon éclatant mille tonnerres, la clochette légère teinte claire. Et l'on dit que c'est l'âme de Paris qui s'enflamme quand sonne les cloches de Notre-Dame. Les enfants, c'est magnifique, non? Tous ces sons qui, selon l'heure, changent d'humeur et de couleur. Parce que vous savez, les cloches ne sonnent pas toutes seules. Non! Non, petit démon. Tout là-haut, dans le sombre clocher, vit le mystérieux sonneur de cloches. Qui est donc cette créature? Qui? Comment est-elle? Comment? Pourquoi demeure-t-elle là-haut? Pourquoi? Clopin vous dira tout. Ceci est l'histoire. L'histoire d'un homme et d'un monstre. Dans la nuit noire commença notre histoire sur les quais de Notre-Dame. Fais le taire, tu veux, on va se faire repérer. Chut, mon petit. Quatre gitans abordèrent à la rame sur les quais de Notre-Dame. Quatre deniers pour vous faire entrer dans Paris. Mais un piège attendait les bohémiens, menacés par les forces du mal. D'un pleurite inhumain au cœur plus dur que le métal. Le juge Claude Frollo. Des cloches de Notre-Dame. Le juge Claude Frollo combat le vice et le péché. Un monde corrompu et qui doit être purifié. Menez cette immonde vermine jusqu'au palais de justice. Toi là, qu'est-ce que tu caches? Quelque larcin sans doute. Qu'on le lui prenne. Cours, Gita! Une créature démoniaque que je renvoie à l'enfer auquel elle appartient. Vous qui souillez par les armes et le sang le parvis de Notre-Dame. Elle s'est enfuie, je l'ai poursuivie, je suis innocent. Vous voulez rougir du sang d'un enfant le parvis de Notre-Dame. J'ai la conscience tranquille. Racontez vos mensonges à vos mignons, qu'ils acclament la pureté de votre âme. Vous ne pourrez cacher vos coupables actions au regard saint, au pur regard de Notre-Dame. Et Frollo sentit son pouvoir glisser dans les flammes de l'enfer qui menaçait sa puissance et son âme. Élevez cet enfant,
comme s'il était le vôtre. Quoi ? Je devrais m'enchaîner à cet être abominable ? Très bien. Et qu'il reste caché dans votre église. Dans l'église ? Mais où ? Peu importe. Enfermez-le quelque part à l'abri des regards. Au sommet des tours, peut-être. Qui sait ? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Cette créature pourrait, si le ciel le veut bien, servir demain. Et Frollo affubla l'enfant d'un nom horrible, un nom qui veut dire difforme. Quasimodo. Quand les cloches sonnent, les cloches questionnent dans les tours de Notre-Dame. L'homme est-il un monstre ou le monstre un homme? Et les cloches sonnent, 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 sonnent.